Move.com. Goom Radio, Explicit Content, l'émission c'est Ghetto Blaster, c'est Driver avec ma collègue Ariane, comment vas-tu? Mais ça va très bien ma foi. C'est cool, ça me fait plaisir, si tu vas bien, je vais bien. Nous avons la fouine pour cette dernière émission de la semaine, comment vas-tu? Ça va, on ne peut mieux. J'aime quand ça parle français, j'aime. Donc on est toujours là pour la sortie de l'album La Fouine versus Laoni qui est sorti ce lundi 14 février. Grande date pour les filles qui se souviennent toujours de cette date. Je ne me rappelle que de mon anniversaire. Donc... Et encore. En tout cas, cadeau ou pas cadeau, vous devez aller chercher cet album parce qu'il est truffé de bonnes choses. On a déjà écouté des morceaux toute la semaine, on va continuer aujourd'hui. Donc voilà. Je voudrais parler un petit peu de l'esthétique de l'album. Le choix de, bah déjà de la pochette avec les deux photos, etc. Oh, je m'en battais un peu les... Je regarde. Non, j'ai taffé avec Fifou, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Il m'a fait l'album Mes Repères et puis l'album Aller-Retour. Longtemps que je travaillais avec lui et puis je savais un peu ce que je voulais une certaine dualité sur la pochette, comme c'était le cas sur l'album, donc ça a été simple, hein, c'était rapide. D'accord. Mais je suis très satisfait de son travail en tout cas. Bah écoute... Il y a des posters à l'intérieur, voilà, pour tous les gens qui kiffent un peu accrocher des posters, tout. Posters de Fouini Babe. C'est un kiff ça de savoir que t'as des fans qui ont des posters de toi au-dessus de leur lit? Pas forcément. Mon kiff c'est de les voir venir au concert, de foutre le feu et de kiffer. C'est ça mon kiff. En tout cas, t'as une grosse fanbase et tu leur proposes plusieurs supports pour communiquer avec toi. Alors il y a Twitter, il y a le Skyblog, il y a le Facebook. Hey bitch, Google me, you don't know me, Facebook me, Twitter me, BBM me, MySpace me, Google me. Ce sera une petite chanson que je suis en train d'écrire pour Soulja Boy, tu vois. Parfait. Je sais que par exemple, 113, lors de la sortie de leur album, ils prennent un téléphone portable et ils laissent leur numéro à leurs fans. C'est un truc que tu pourrais faire, communiquer en direct avec tes fans? Ouais, je l'ai déjà fait, mais c'est pas moi qui ai le téléphone, tu vois. En général, c'est Hicham? Ouais, des gens de l'équipe ont le téléphone et puis voilà, ils s'amusent avec les gens appellent, ils leur donnent des informations sur l'album, sur la tournée et tout ça. Mais c'est vrai que ça, en fait, on appelle ça la puce folle. En fait, t'as pas le temps de parler à quelqu'un qu'il y a déjà 800 appels en absence. Donc ça sert un peu à rien, ça sature vite, ça déconne tout le temps. Donc si vous voulez, restez en contact avec Fouini Babe et toute l'équipe, Twitter, Facebook. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est quelqu'un de banlieue sale? Non, en fait le truc c'est que bon, comme moi j'ai créé avec pas mal de fautes d'orthographe, je laisse Hicham écrire pour moi. Des fois je lui dis ouais, mets-moi que je suis en concert là, puis mets-moi que... Ouais, mets-moi cette phrase et puis là et moi je l'ai sur mon BBM, sur mon BlackBerry et puis j'assiste à tout ça, je lis un petit peu ce que les gens disent et puis mais je retweete pas forcément, mais quand j'aime bien quelqu'un je dis à Hicham de retweeter parce que je sais pas très bien comment ça marche, mais j'aime me mettre dessus quoi. D'accord. C'est marrant, ça c'est marrant. Moi je voudrais qu'on parle, on a parlé des collaborations, on a parlé des prods, on a parlé du visuel. Maintenant je voudrais juste qu'on mette de côté cet album de minutes et qu'on pense au suivant, parce que t'es un mec qui taffe tout le temps, tu l'as dit, t'étais déjà sur un nouveau projet, d'ailleurs c'est très compliqué. Enfin, souvent j'entends les artistes dire qu'on accouche d'un album, voilà, on le fait, ça y est, c'est fait, on le donne au public, donc quelque part il nous appartient plus, donc on est obligé de se remettre sur quelque chose d'autre. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, cet album il est fait, il est dans les bacs, mais quelque part, ça y est, pour toi, non, c'est... C'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je ressens. Je pense que cet album est... Je pense que cet album est... Déjà cet album, pour parler un peu plus de cet album, je le fais vraiment comme j'aime écouter de la musique. Tu vois, cet album pour moi c'est ma vision de la musique, c'est ma vision de comment devrait être un disque. Quand j'écoute de la musique, j'écoute toujours de la musique cool, et j'écoute que de la musique cool, et quand j'écoute de la musique speed, j'écoute que de la musique speed. En général, j'aime pas avoir un album où je suis là en train de mes potes, en train de rouler à fond avec mes potes, boum, on écoute des sons, ensuite il y a une petite chanson douce qui vient s'entremêler à ça, je la zappe direct, je vais aux autres morceaux. Tu vois, et au contraire, quand je suis cool tout seul en mode solitaire, en train de rouler dans ma voiture, ou dans l'avion, ou dans le train, en train d'écouter de la musique, où je suis très pensif, où j'ai besoin de m'évader, où je suis seul, j'aime écouter de la musique douce. Et donc je zappe les chansons vénères et j'écoute la musique douce. Ensuite, dès qu'elle est finie, je zappe les 2-3 morceaux vénères, je reviens sur l'autre musique douce. C'est ma manière d'écouter de la musique. J'écoute jamais de la musique à la filée, vénère douce. Et donc j'ai voulu faire un disque comme ça pour propulser les gens dans mon univers. C'est comme ça que j'aime écouter de la musique, c'est ce que j'avais envie de leur proposer. Et c'est pour ça que je trouve cet album vraiment réussi. Et c'est une autre approche, c'est une autre manière d'écouter de la musique. Voilà. Donc je vous invite à écouter cet album et à pas enchaîner les deux disques. À
écouter un disque. Et puis quand tu te sens un peu seul, ou que t'es avec ta meuf, ou que tu roules avec tes potes, ou vous êtes fatigué, mettez le CD cool, là vous allez kiffer. Je vois, non ? Bonne approche. Voilà, big concept, t'entends ? Je vois Kuni ça. Baby là, sur Goom Radio, c'est comme ça que ça se passe. Toujours sur Explicit Content, Goom Radio. Est-ce que tu penses que c'est ton meilleur album ? Je sais que c'est ridicule, tu dois aimer tous tes albums, mais est-ce que pour toi c'est le plus abouti ? Jusqu'à présent, c'est l'album dont je suis le plus satisfait. D'accord. Pour moi, c'est un cran au-dessus de mes repères. C'est vraiment un album fou. Mais il faut vraiment rentrer dedans et l'écouter pour comprendre de quoi je parle. Parce que ça sert à rien d'en parler, il parle de lui-même. C'est une tuerie. C'est le seul album de l'année où tu ne zapperas aucune chanson. Il n'y a aucune chanson à zapper. T'es d'humeur vénère, mets le CD vénère, tu vas kiffer, tu vas t'enjailler. T'es d'humeur pensif, cool, mets le CD 1 et mets le CD 2 et puis là, je te jure, tu vas en zapper aucune. Franchement, pour moi, c'est le meilleur album de l'année, et pas que pour moi. Pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus et qui ont travaillé sur différents albums cette année, après l'avoir écouté, vous comprendrez. Moi, je suis super, super satisfait. En tout cas, de mon point de vue personnel, c'est vraiment mon meilleur album. Et je disais ça quand Mes Repères est sorti et c'était vrai, c'était le cas. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas avec la venue de cet album. En tout cas, un album, on le rappelle, super lourd. On rappelle qu'il y a The Game sur un des titres. D'ailleurs, il est dans le clip. Ce truc de fou, normalement, quand un rappeur français c'est une vraie collaboration. Avec... Ouais. C'est une vraie, vraie collaboration. Mais je vous le dis, c'est pas des blagues. C'est vraiment un album de fou qui est dans les bacs. Il y a Soprano dessus. On en a pas parlé de la semaine. C'est pas des blagues. C'est au-delà des featuring. Ouais. Au-delà des featuring. Cet album est fou. Il faut vraiment l'écouter pour s'en rendre compte. Faut mettre le CD cool quand t'es tout seul et tu l'écoutes de A à Z sans zapper une chanson et tu vas rentrer dans le délire. C'est un album fou. Tu vois, je pense que le CD 1 est le CD tendance du moment à mettre dans la voiture, à écouter à fond avec ses potes, reprendre les punchlines. Mais le CD 2, je pense qu'il est intemporel et qu'il restera dans les cœurs. Et ça, j'en suis sûr. Ok. Écoute, comment tu veux vendre mieux un album que ça avec l'artiste qui dit que c'est un CD fou et qu'il y a deux ambiances et que c'est le CD de l'année? Ben voilà quoi. C'est dit, c'est prouvé, à vous d'approuver, à vous d'aller l'acheter, de le tester. Pour rappeler, date de concert? Oui, on l'a dit, le 7 mai au Zénith. Voilà. Et puis en tournée dans toute la France. De manière, toutes les dates sont inscrites sur le site, sur le Facebook de La Fouine. Et puis forcément, on va avoir un relais sur le www.goomradio.fr ou .com, je ne sais jamais. Les deux, parce que on est aussi internationaux. Bah ouais, on a tout pris. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez voir une vidéo sur coverglow.com. Voilà. Bon bah c'était notre semaine avec La Fouine. On va se quitter en musique forcément avec un freestyle du monsieur. Donc est-ce que t'es prêt pour le dernier freestyle de la semaine? Je suis prêt. Donc c'est parti. Explicit Content Goom Radio. Yeah, pas de neuf, on y baye. Yeah, tu passais en gamos trop nice. Pendant qu'on te regardait vénère, moi et mes sacs leader price. C'est la merde, c'est la hess, rap français. En période de vache maigre, j'bouffe au KFC. Yeah, quoi de neuf, Winnie Baby? On est chez Goom Radio, la famille. Hicham Glenn, yeah, yeah. Quoi de neuf, Fouini, yeah, yeah. Tu voulais que je coupe des planches comme toi. J'ai pas voulu et j'ai eu de la chance. Mais t'inquiète, je touche du bois. Ton départ, le frigo vide, maman t'en voulait beaucoup. J'vais pas le droit, mais en cachette, moi je t'aimais beaucoup. J'ai mis dans ce rap ce que je n'ai pas su te dire. Tu restes mon père pour le meilleur et pour le pire. Tu te levais à 5h du mat pour qu'on puisse avoir des baskets à nos pattes. Et malgré ça, j'ai quand même giflé le prof de maths. Yeah, au square, on m'appelle Fouini Baby. Mais pour toi, je reste là où n'est Old Bloody. Boum, boum, les keufs viennent me lever. T'es jamais venu au parloir car les hommes se cachent pour pleurer. Yeah, si t'as ouvert, c'est que le vice a sonné. Mais on reste tous les mêmes, papa, tu es pardonné. Ce qui est dit, ce qui est fait. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. T'en vas, tout s'en va pas, l'amour que j'ai pour toi, papa. Juste un mot, j'irai là-bas, là-bas pour toi, papa. Le temps va, tout s'en va pas, l'amour que j'ai pour toi.
Hier, tu me regardes de haut, je te regarde d'en bas. Tu fais vibrer mon cœur de ton regard rêveur. Je suis trop souvent absent, me le pardonneras-tu? J'essaie d'être un bon père, maman me regarde au-dessus. J'écris ce rap sincère de l'arrière du car. J'ai ta petite tête en fond d'écran, les doigts sur la guitare. J'arrive à la salle pour faire les balances, il est midi. Tu sors sûrement des cours avec ton sac Hello Kitty. On fait la fête ce soir, on affiche complet. Plus personne peut entrer, mon cœur affiche complet. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. En martyr et tous mes points, je t'aime comme c'est plus permis. Et comme un éclair, t'es rentré dans ma vie. J'ai dit non à la tôle, plus jamais les soucis. Ce qui est dit, ce qui est fait. Et quand je serai plus là, j'espère que tu diras. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, pas de neuf ou ni bail, l'album est dans les bacs. Yeah, on est sur Boom Radio. Yeah, Fouini babe. La fouine vs la Ouni, c'est ça. Non, 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 la fouine contre cet enfoiré de la Ouni, c'est ça. Comme la Fouini babe, c'est la fouine spéciale pour Papa Lars et son fils Enzo, c'est ça. Coverglow.com, le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes. Ghetto Blaster.